pas des ans maman couffe dans l'hôtel ton moni c'est qu'à corébiman c'est là corébiman qui a ta vidéo à mon qui est morgue ni na minuto non morgue il y a une ma banga bah puis bah transférant on a morgue mort de la place ok mais ton moni hôtel on a une habilité ton moni bah gérant hôtel ton moni loco morte exactement bah loba qui bah yoka qui moi je pense que je suggère ceci bah ben à l'état ça la investigation voilà. On a depuis combien de temps histoire au salami n'engue nini quoi en tant parce que naïe bi que ce monde a koufi na le public le gars hôtel wana tout monde qui a wa une femme mariée a koufi na mobali na hôtel MP na bandal les vidéos ont circulé lorsque bah monique bah sali constant qui bah koufi bah bien que la police na croix rouge voilà croix rouge bah hier bah sali investigation bah tout ni bah questionne la police bah saisir gérant hôtel bah bimis corps aux yeux de tout le monde voilà tout le monde a ma vidéo corps réseau bimana bande de bol bah bol là voilà mais y a moi ça dollar et mon anité nini c'est Jacques-Ben Chabani que je salue respectueusement sur les antennes il y a Top Congo FM Aza patron en sécurité à Mboka il dit que le gouvernement est incapable de sécuriser la foule. Il déclare que la foule au Bayern a un concert et la foule moro différente n'a pas foule au Bayern a un spectacle de sport. Okay. Selon lui. Selon lui. Selon lui. Que la foule au Bayern a un concert, la foule moro différente n'a pas foule au Bayern a un match à Vitaimana, Léopard, n'a pas foule au Bayern a un meeting politique. Voilà. Mais moi je pense que ses propos est choqué quand même. Hein. Est choqué parce que l'État ne se plaint pas. Bah, voilà. De le permettre d'évoluer la première édition. Voilà. La deuxième aussi viendra. Et je pense que Torolandelango, mon Berrer, Osama Sikoyo, Baromega un peu Rolandela, pour qu'ils aillent bien. Mais je crois qu'une nouvelle date est nécessaire. Voilà. Parce que Mikolo va tracer un chemin pour Nabiso Toleka. Va continuer à rendre flatter, va complexer, des personnes faciles à manipuler. Tu vois tout ça? Voilà. Et ça choque aussi la génération actuelle. Voilà. Mais comment vivre où tout le temps dans la télévision? A komi boy ndengini. A komi boy pourquoi? On te dira on n'a pas un visa. On n'a pas besoin de mbongo. Mais déjà zoba mbongo. Voilà. Les vieux signé des grands contrats dans ces pays. Même pas ça bah contrat belé, bah maison belé, bah zoba mbongo. Bah sioné mokili. Bah zoba visa déjà, mais ce que ndengini adaba ba ke muta sili. Mais sur aussi, gardez ta ma valeur en ailleurs. Voilà. Bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes en direct sur Bongaludia Télévision ainsi que sur Équilibre Télévision. Nous sommes là pour vous informer de toutes les informations liées à la culture de la République démocratique du Congo. Tariq Ngango, le richissime. Journaliste Yann Zambé, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez capter cette émission. Nous sommes tellement contents et puis heureux de vous avoir très, très, très nombreux scotchés, branchés en ces nets moments. Comme je disais, nous sommes là pour parler des actualités culturelles de la République démocratique du Congo. Nous tous, nous savons que l'actualité a été dominée la semaine dernière par l'annulation, soit le report de ces grands festivals, Festigo-là. Hier, nous avons également vu les organisateurs de ces grands festivals faire un tour au niveau et à Stade Tata Raphaël pour la énième fois. Ils ont visité les sites aux événements et Salama. Cette fois-ci, c'était ensemble avec les responsables de la police. Tout Mégaroye, bah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces organisateurs tiennent toujours à organiser ces grands festivals, Festigo-là, ici à Kinshasa, notamment déjà bah, artistes et bah, Yaki déjà. On va en savoir plus dans cette émission. Et puis nous allons parler de cette annonce du concert de Ferrego là, le 7 décembre à l'IEJ. L'IEGN Arena, malheureusement, le concert a été reporté. Le pourquoi le concert a été reporté, notamment également Fally Ipupa, sera le 7 décembre au niveau il y a Zénith de Paris, Zénith de Nantes plutôt. Nous allons parler de tout ça. On allait voir une bataille à distance entre Ferré et Fally. Mais Tomeka Kosolango, et puis cette triste nouvelle, Ozo, faire parler, il y a à boire et à manger sur ces dossiers, la mort de la femme, l'épouse de cet artiste et comédien Dola Star. Cinq jours après le mariage, il a perdu son épouse. Quel mystère. Tomeka
Kosololo yango au cours de cette mission et puis nous avons parlé de tous les points saillants de l'actualité. L'actualité ça n'a pas point moins ming bah divers également. Sans parler d'état sur ce, j'ai le royal plaisir de recevoir pour vous Jérémy Luemba, un confrère, un aîné. Avec lui, nous allons essayer de parler de tous ces sujets que je viens d'évoquer ici. Entre-temps, je dis un grand merci à Tonton Promo, IGF de la presse, hein, inspecteur Colombo. Depuis la Grande-Bretagne, je vous salue. Un grand merci à nos deux caméramans qui sont derrière les caméras. Merci également à tous les abonnés de ces deux grandes chaînes. Déjà, si mes caméramans sont d'accord avec moi, Napé Sara invité Nanga de Jambote qui n'est rien d'autre que Jérémy Luemba. Bonjour Jérémy Luemba. Bonjour cher ami Tariq, journaliste Nzambé. Bonne santé. Santé en forme, hein, Dieu fait grâce, la nouvelle semaine a commencé. Voilà. Alors malgré tout, on tient le coup, en tout cas on essaie toujours de travailler. On est là, merci pour l'invitation. Voilà. Merci beaucoup, je vous en prie également. La nouvelle semaine vient de commencer. Nous vous souhaitons tous bon début de semaine, vraiment. Nicolezo Kindara, nous sommes le premier trimestre, la première semaine, il y a mois d'août plutôt, j'allais dire. Jérémy Luemba, la culture congolaise dans toute son entièreté, déjà, évolution dans nos mondes. Alors, nous sommes là, toujours observé, voilà. Réalité, terrain. Je crois que chacun de ces artistes, essaie un peu d'évoluer hein, dans son coin. Le respect est maintenu. J'ai senti aussi quand même moi climat de paix. Voilà. Par rapport à moi précédent, voilà. Je pense que... La polémique est belée quand même et dosée. Et puis les gens ont compris que tous ces mondes-là qui parlent à la télévision sont des flatteurs. Okay. Donc ça ne sert plus à rien de les suivre à tout moment. Toujours à la ratoyo quand même. On ne capte rien. Voilà. On est là. On est là, on ne capte rien. Merci beaucoup. Déjà, la semaine dernière, Kinshasa allait vibrer sous le rythme du festival Festigola. Malheureusement, il y a eu cette annulation de la part des autorités de la République. Et puis, les reports de la part des organisateurs, il y a événements là déjà. Impression nous a aidé par rapport à l'annulation. Ça, c'est une très bonne question, Tariq. Je crois que ces méga projets. Voilà. Qui est ce festival international Festigola que l'artiste Ferigola a initié, je crois. Cette histoire mérite beaucoup de soutien. Okay. Parce que ça a le rôle de vitrine culturelle en Mboka. L'artiste Ferre et ses partenaires, ils ont pensé à beaucoup d'artistes, même d'ailleurs. Voilà. Tout le monde est artiste français, gabonais, sénégalais, sud-africain, brazzavillois. Et d'autres aussi qui viendront, sommes invités. Donc, on a valorisé. Moni Congo, RDC, ils ont beaucoup de talent et belé. Voilà. Musicalement parlant, artistiquement parlant, les Congo sont respectés un peu partout. Okay. Parce que Congo, ils ont beaucoup de Bimissa, Grand Calais, Rochero Taboulay, Grand Maître Franco, Lombo Makiadi, Papa Wemba, Kofi Olomide, Pepe Calais. L'éléphant d'Afrique et des Caraïbes. Tobi Missi ba misé le rôle là-bas. Wenge royé na génération n'ont payé ou era jibé, te mon a ferré, Fali, voilà. Inosbi et les autres. Donc Congo Zali, un pays qui a en tout cas marqué l'histoire de la musique à travers le monde. À travers le monde. Donc Kozanga a évidemment le rôle à festival, vitrine culturelle, les qui moi défaut na biso. Alors Ferré quand même il s'est inspiré des autres. Alors, clairement ouais. Il s'est inspiré des Magic System. Fais-moi en Côte d'Ivoire. Et puis, fais pas maison à Brazzaville. Brazzaville. Donc, on a instauré ce système, il y a Festigola, pour donner de la joie, de l'ambiance, la gaieté à tous les mélomanes de la bonne musique. Voilà. Alors, c'est la première édition. Malheureusement, l'événement devrait avoir lieu, mais une ou deux semaines avant, il y a eu le concert de Mike Kalamba. Voilà. On a enregistré plusieurs décès, c'est vrai. Ça fait mal. Bishop Togaki peut être contre Ango. On se disait, mais comment le stade, le concert Ming et le mission à stade, ils ont créé ma mort. Avec Fali, c'était, je crois, l'année passée. Deux ans avant. Deux ans passés, on a connu les mêmes problèmes. Mike Alamba, un musicien gospel aussi, a joué. Après, il paraît neuf morts. Voilà. Entre guillemets. Aux autres, ça dérangeait aussi les gens et ça créait aussi la tension dans la ville à Kinshasa. Voilà. Le gouvernement a pris la décision de pouvoir reporter le programme Yafé Rigola
et le concert de Fally. Mais révélons quand même aussi, parce que... C'est également la question qu'on s'est posée. Est-ce que c'était une bonne décision au moment où déjà ces organisateurs avaient engagé des dépenses par-ci, par-là? On nous a appris que l'histoire est une science qui étudie les événements passés. Voilà. Rappelez-vous, dans le concert, il y a pasteur Moïse Imbi, dans le stade des Martyrs. Le jour où le pasteur Moïse Imbi a livré le concert ici à Kinshasa, dans le stade des Martyrs, il y a eu un coup d'état manqué, voilà, avec Christian Malanga. La ville était paralysée, sous tension, il y avait l'émotion un peu partout. Voilà. Oh, Bakangi, qu'on a perdu la nation. Oh, Babeti Massi, c'est pas Kamere. Il y a eu aussi ce qu'on appelle une cacophonie. Voilà. Dans l'esprit d'autorité. Le gouverneur de la ville Ngoubil à l'époque a interdit l'événement. Mais les ministres de l'Intérieur, Kazadi, a autorisé. Oui, voilà. Donc, il y a une tension qu'on a sentie dans Kinshasa. C'était terrible. Terrible. Mais on a vu les gens venir au stade et Moïse Imbi a fait son plein, il a livré son conseil. Tout était bien passé. Tout était bien. Aucun mort. Zéro mort. Voilà. Et puis, le spectacle a eu lieu. Après, on a commenté, on a analysé. Voilà. Alors, le solo Maï Kalamba, c'est vrai, il est mort. Mais le solo Leroy a fait rigolo la festigola. Ce n'est pas un concert ordinaire. Voilà. Et ça, le format Moroté n'a pas concert à Bastard et Martyrs. Voilà. Ceci est un programme, je dirais, particulier. Une première édition, un festival de 3 jours. Voilà. Et aussi, Fer et son équipe ont engagé déjà des dépenses. Voilà. Il s'agit des invités qui viendront ici à Kinshasa. Déjà, d'autres sont déjà ici sur place. Kinshasa, voilà. Donc, Nalandi Kou Oyo, manager à lobby, 1 200 000 $. C'est ce qui a été dépensé. Mais jusqu'à ce jour, l'artiste continue à faire des dépenses parce que Bazawa n'a pas lié leur mouvement, les véhicules. Donc, aujourd'hui, on a un projet colossal. Et aussi, un appui au gouvernement congolais. L'État doit s'impliquer dans ça. Parce que c'est la vitrine. Et sa vitrine culturelle, le Congo n'a jamais donné un festival de ses renoms. De ses renoms, n'a pas de dimension, il y a festival là-haut. Voilà. T'as la maquette. T'as l'organisation, la sécurité assurée, voilà. Les protocoles sont là, les hôtels sont déjà prévenus. Tout ça, donc au moment que ça les locaux moko oyoko ça va être premier en Afrique centrale. Il y a y voir même les bateaux bah ça la sécurité bah billets bah une formation pendant 4 jours. Voilà, c'est une première en Afrique centrale. Et cette histoire va donner une très bonne image pour le Congo. Voilà. Et ça, le rôle, c'est francophonie. Francophonie. Voilà. Donc, après francophonie, on peut noter Festigo là aujourd'hui. Okay. Donc, je crois que cette décision a été prise à la hâte. Voilà. Il fallait quand même étudier quand même, les paramètres. Bata l'affaire, il nous propose quoi? Et j'ai suivi le ministre Jacquemin Chabani, que je salue respectueusement, sur les antennes, il y a Top Congo FM. Aza patron en sécurité à Mboka. Il dit que le gouvernement est incapable de sécuriser la foule. Il déclare que la foule au Bayer n'a pas de concert, et la foule moro différente n'a pas foule au Bayer n'a pas de spectacle et sport. Okay. Selon lui. Selon lui. Selon lui. Que la foule au Bayer n'a pas de concert, la foule moro différente n'a pas foule au Bayer n'a match à Vita Imana, Léopard, n'a pas foule au Bayer n'a pas meeting politique. Voilà. Mais moi je pense que. Ses propos est choqué quand même. Est choqué parce que l'État ne se plaint pas. Bah, voilà. L'État doit prendre ses responsabilités. Vous comprenez? Quand l'État dit que pour un festival de 3 jours seulement, bah, ça a une incapacité à sécuriser la population. Cela prouve que nous sommes tous en insécurité. Voilà. Vous comprenez? Donc l'État ne se plaint pas. L'État doit prendre ses responsabilités à main. Bah, accompagner Ferry. Là où il est limité, bah, on va accompagner, voilà. Bah, soutenir, bah, mettre bah, moyen les sous-sous pour que quand même l'événement, l'État s'approprie. Et ça, la marata, chaque année, comme ça, chaque grande vacance, ça, la marata fait moi, et ça, la marata fait spam. Et voilà, donc, Europe, ça peut. Et ma couleur café, Zalaka. Voilà, Europe, ça peut occasionner un bah, jeune talent, bah, ça la propulser. Et en même temps, on a bah, star, un peu mon sous-sous, bah, collaborer avec un bah, jeune. Et c'est comme ça que la culture doit aussi avancer. Voilà. Donc, je suis de cœur avec l'artiste Ferré. Je l'ai suivi aussi sur Bosso la politique. L'homme, il est serein, il est déterminé à donner un meilleur festival. Et le Congo n'est jamais connu. Au Congo, en Afrique. Et en tout cas, Mbappé, c'est une nouvelle date. Voilà. Mbappé, c'est une nouvelle date. Hier, la grande équipe, il y a Festigo là, ont également foulé
les pieds au niveau ya Satata Raphaël pour la énième fois. Bah, ça les sous visite ya Satata Raphaël, mais cette fois-ci c'était en compagnie avec les autorités de la ville, les responsables de la police. Voilà. Na mégi ko tanga communiqué na bango, ils ont essayé de supprimer certaines zones d'ombre, certaines zones où bah prévoyez qu'il pour un concert tel que la fosse Balongo Liango. On peut espérer également une nouvelle date par rapport à évidemment. Oh. Bon, ça serait une bonne décision de le permettre d'évoluer la première édition. Voilà. La deuxième aussi viendra. Et je pense que Torolandelango, mon berreur, Osama Sikoyo, Baromega un peu Rolandela, pour qu'ils aillent bien. Mais je crois qu'une nouvelle date est nécessaire. Voilà. Parce que, invité, on a mon le grand prêtre, Lokwa Kanza. Voilà. Sur place, on a mon sultan, l'ivoirien Azawa, et d'autres artistes français. Merci. Donc, au moment où les gens se sont déjà réchauffés. Voilà. Pour suivre les spectacles. Même dans le rite, tout le monde vous demande Festigo, la moins exacte, les jeux Kotaki n'a mis tout là-bas. Les jeux Kotaki, donc il faut quand même. Et ça, la mapo, que tu as sonité quoi. Voilà. Merci beaucoup, Jérémy Luemba. Et ça, ma pote, tu as sonité. C'est un grand projet au gouvernement au soutenir, notamment. Et j'ai compris qu'il y a du sérieux dans ça. Il y a du sérieux. Il y a du sérieux. Le professionnalisme. Les portes sont ouvertes pour tous les artistes. Et la première édition, peut-être le lot monde va figurer, bien affilé pour le Congo. Il y a vraiment des pliques pour Mba également. Et après, peut-être il y aura aussi d'autres musiciens. Donc, ils allaient tout changer quand même. Tout changer. Il parle de quoi? Les narratif. Voilà. Changeons les narratifs. Tout bannir polémique. Tout bannir côté go, Nabisso, tout sangana. Tout sangana. Et ça va bien. Voilà. Merci beaucoup, Jérémy Luemba, pour cette très belle explication et éclaircissement. Et Kitoko, Bandeko, il y a Bonga Ludiana, Équilibre à télévision. Bah, je tant à comprendre. Toujours dans la culture, faire rigola, le padre, le 7 décembre, une annonce a été déjà faite. ING Arena, à niveau à Bruxelles. Notamment, tout le monde, la grande salle à Bruxelles. Assez communiqué pour les reports de cet événement. Pour des raisons de planning, l'événement a été reporté. Mais au moment fallu, le 7 décembre, là, ça a toujours concerné la Zénith de Nantes. On allait vivre une bataille à distance entre les deux parce qu'aujourd'hui, on peut dire que faire rigoler et fallu, ce sont les portes étendards et la culture en Abisso. Déjà, comment on a quelque chose à faire et ça a reporté? Tu peux dire quoi par rapport à ça? Bon, puisque c'est la salle qui a annoncé que par rapport à la contrainte technique. Voilà. Et logistique, bah reporter concert. Et je crois que déjà cette annonce a fait plaisir à Babylon Nebele. Voir Ferre et Fali jouer en distance. Voilà, le même jour. Parce que les deux là, tout ça là, Constant Moreau, c'est comme si Kim Rafarafa. Voilà. Mais ils ont déjà fait ça ici à Kinshasa. Moi, j'étais en Oliver, moi, j'étais en Romeo Golf. Là, c'était, je crois, à l'époque, très longtemps, non? Non, ça date de 3 ou 4 ans passés. Mais moi, je n'ai pas comme Lelo. Voilà. La chaleur à Lelo. Je n'ai pas tout le monde qui a dit, voilà, Lelo fait un bêta. Fikin. Il ne fallait pas dire à Tata Raphaël, par exemple. Je n'ai pas dit à l'époque. Bon, la génération, on a des salamis vomités. Voilà. Bon, en distance, je n'ai pas trop sollicité. Okay. Plusieurs dates, plusieurs productions. Je crois que ça arrivera seulement. Ça peut arriver même en 2025 voilà. Ou en 2026. Même encore en 2024, parce que l'année n'a pas encore touché à sa fin. Voilà. Il y a encore les calendriers encore là. Il y a encore beaucoup de vide. Il reste encore 4 mois. Ouais. Beaucoup de temps, donc ça peut toujours arriver. Bon, ça, encore la musique, quoi. Ça ne changera rien, mais ça aura plaisir. Voilà. Bino, côté Kuna et Belé, tout à l'heure caméra, tout à l'heure côté Bakota qui est Belé, tout à l'heure caméra. Bon, on verra, je crois, et ça arrivera. Mais du côté affaire, il va te reprocher, ça devient comme une habitude à chaque fois qu'il y a une annonce. Et puis, quelques temps après, suppression et annonce, ou un report. Nous avons vécu ça avec l'annonce, il y a encore Arena. Isaac également supprimé cette fois-ci tout vivre. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Étant qu'un culturel, un confrère journaliste, aux Arapines, un milieu musique, aux Athènes, il était pourquoi ça m'a toujours. Bon, peut-être l'équipe, hein? L'équipe doit aussi. Suivre certains conseils, c'est voilà. Très important parce que il fallait peut-être ne pas annoncer, il fallait seulement observer, attendre que tout soit bien éclairé, parfait, voilà. Voilà, et après, on débrouille d'un produit fini pour publier. Okay.
Parce que quand on publie comme ça en avance, après on supprime, après il y a report, ça ne donne pas une bonne image. Et ils sont quand même responsables. Déjà, Ferre, et aujourd'hui, actuellement, il est entouré de grandes personnes. Voilà. Donc, il y a un professeur écrivain, Alain Mabakou, Bazawana. Et autant les mêmes équipes, où ils ont un festival. Ce sont des professionnels, des experts à la matière. Et ce sont des gens qui maîtrisent bien le domaine. Donc, nous voulons encore une fois, bateau, on appelle la communication et presse. Comment dirais-je? Bah, porter une nouvelle touche. En fait, bah, ça, la moussa, là, oh, tout ça, là, on a besoin. Au lieu peut-être de Rolinga, qu'on sème les artistes, bah, tout chaud, ils ont propreté. Parce que le nom de l'artiste est toujours salut. Bah, réactus, tu as dit Paris. De partout, donc voilà, ils ont ça, la bien-té. Bonjour, collé artiste, bah, bêtise, ils ont mérité. C'est votre travail, vous gagnez de l'argent par rapport à cela. Bonjour, voyagez dans l'eau. Vous avez un avantage, j'ai bien intérêt. Soignez l'image de l'artiste, c'est vrai. C'est une œuvre humaine, les imperfections ne manquent jamais. Jamais, voilà. Mais tout ça, là, l'essentiel, que l'artiste l'a très bien vendu. Ça, c'est très bien. Voilà. Merci beaucoup, Jérémy Lemba. Pour la Fali, concert à Zénith de Nantes, la date a été déjà calée. Voilà. Bah, Warrior, bah, a appelé à consommer un billet, bah, s'est procuré billet. Et sur bah, ça, la sold out, ça a une bonne chose. Parce que quand même, qu'on se le dise, c'est l'artiste. D'actualité, sold out. Parce que l'artiste Fali venait aussi de passer des moments difficiles, là-bas, concerné à Poto. Lyon et puis Bordeaux. Lyon et Bordeaux. Tout le monde avait un moment difficile, au moment où on avait un moment de gloire. Non, c'était des moments très compliqués pour lui parce qu'on parlait de sold out, mais ça ne s'est jamais réalisé. Dit, voilà. Donc, il est temps, bah, fanatique, bah, se ressaisir. C'est bien bon de soutenir l'artiste sur les réseaux sociaux. Venir insulter pour son compte. Voilà. Mais c'est mieux quand même de soutenir Bango physiquement dans ma production. Tout le monde a dit que, oh non, tu vas le battre rideau. Ok. Ça aussi, c'est salir l'image de l'artiste. Oh, battre rideau. Oh, battre rideau. Bon, peut ça, ma adversaire, il a fallu raison. Ok. Ce qui concerne les alliés, comme il y a à Saint-Etienne, à Nantes, à Tienne, dans ma province. Marseille également. Donc, les solos à province, ils ont quitté. Voilà. Ils ont France. Voilà. Nous sommes nombreux là-bas. Ils ont raison, ils ont une province. Nous sommes nombreux là-bas. Ils ont des fanatiques, des artistes. Allez-y. Kota, soutenir, vous allez bien. C'est le Congo qui gagne. Voilà, c'est le Congo qui gagne. Toujours dans Marambwa Fali, nous avons vu Djoka Kabengele. Ouais. Aussitôt revenu de l'Europe, il a passé chez un confrère, Fax Timay. Oh, lui, il va attaquer toutes les personnes au Vilipandaki, la justice. Ah, papa. Déjà. Il y a mon gars Vilipandé héritier. À Vilipandé JB. Voilà. À Vilipandé Bakofi. À Vilipandé Bawera. À Vilipandé Baferi. Batunion sur Vilipandé. Non, on va porter plainte. C'est qu'il n'a pas raison de dire ça. Non, ce n'est même pas opportun. Il va le faire pour quelles raisons? Lui, il a parlé. Son discours a lésé la majorité des mélomanes. Bah, ça, il y a une mesure de rétorsion. Justement, ils ont une réplique. Ma réplique. Tout simplement. Donc, il doit s'assumer. S'il a raison, à garder à calme. Qui touche, non, non, ceux qui vont toucher famille, naïe, là, nous décourageons cela. Voilà. Mais ceux qui ont un débat, ils ont propos contre propos, il n'y a pas de problème. Donc, lui, il a parlé des choses qui ont choqué le monde. Voilà. Il a placé Fali au-dessus de tout le monde. C'est une injure pour la musique congolaise. Injure, quoi. Fali à sa place. Voilà. On ne peut pas ignorer Fali dans la musique congolaise actuellement. Mais Fali n'est pas au-dessus de tout le monde. Fali est venu après. Babengue est cinquième génération. Donc il y a une première génération. Il y a eu des générations qui ont existé avant lui. Mais oui. Il y a eu des artistes plus talentueux que Fali dans ces pays. Mais quand il dit que vous ne pouvez pas accepter que ces garçons aujourd'hui mieux que tout le monde. Non, non. Un Congolais, ce n'est pas un Chinois. Non, non, Fali a ses limites. Okay. Fali a des points forts. Il a aussi des points faibles. Fali a d'autres qualités. Il a aussi beaucoup de défauts. Fali n'aura jamais d'autres qualités que les autres possèdent. Voilà. Donc, musique, ils ont complémentarité. Après, ça a tout sorti. Après, ça a tout été. Fali a peut compléter, ça a incomplet. Il peut être fort dans la danse, fort dans le boyé, mais il peut être aussi faible dans le côté boyé. Oui. Donc, Djoka, son problème, c'est quoi? Il ne sait pas dire la vérité. Okay. Il se base plus dans la flatterie, dans le mensonge,
bah logement exagéré. Donc voilà, on a des défauts bah né na biso mingi. Et ça nous choque aussi. OK. De voir bah mikolo bah tracer chemin pour na biso to le cas. Bah côté na rang bah flatteur, bah complexé, des personnes faciles à manipuler. Mmh. Tu vois tout ça? Voilà. Et ça choque aussi la génération actuelle. Voilà. Mais comment vivre au tout talent la télévision? A komi boye ndenge nini? A komi boye pourquoi? On te dira, on n'a pas un visa. On n'a pas besoin d'un bongo. Mais déjà, c'est un bongo. Voilà. Les vieux ont signé des grands contrats dans ces pays. Même pas ça, le contrat est belé, la maison est belé, c'est un bongo. Si on est mokili, c'est un visa déjà. Mais ce qu'on dit, c'est un bongo. Attends, on va voir mais sur aussi, gardez ta valeur. Voilà, c'est ça. Donc, gardez ta valeur. Nous souffrons, nous tous. Toujours rêver, mais quand même, la dignité d'une personne ne s'achète pas. Voilà. Donc voilà, bah, propos, il a pour me déplacer. Voilà. Il a choqué les culturels congolais. Et bah, tout va répliquer. Répliquer selon l'éducation. Si on a vu ça, on est dans le parquet, dans la cour, dans les tribunaux, c'est son choix. Voilà. Merci. Parce que je trouve qu'ils ont une opportunité. Voilà. C'est pas donc, nécessaire. Bah, même pas nécessaire. Il a provoqué, les gens ont répliqué, qui s'assument, c'est tout. Voilà. C'est un conseil à PC tant que jeune frère. Hein. Merci beaucoup. Un conseil donné par ton jeune frère Djoka Kabengele. Merci également à Las Bell Zéro Kuluna. Hein, Balobi Kinshasa, photos à Zéro Kuluna. Très bien. Le PDG Ange Luca. Zéro Kuluna à Kinshasa. Vraiment, ça l'a dit bien. Merci beaucoup à Alain Kembela, garçon de disque depuis Paris. Je te salue. Et Mamadi Wembo Béton. Plein de bonnes choses à vous également. Il y a Ladin Fumu Mokondi à Lost. Plein de bonnes choses à vous. Un grand merci également à Hubert Kabasele depuis Allemagne, la ville de Munster. Zambé Azanoa Batelayo. Nous allons parler maintenant de ces dossiers tellement brûlants et puis tristes. Au Wapi, mais qui joue moins attention. Il y a les Congomani, les Congolais, qui sont disséminés à travers le monde entier. Mais qui est bien, qui est Tariq, finalement, c'est quoi les dossiers? Je suis avec Jérémy Louemba. Lui, il est parmi Batou. Boyo! J'ai dégraissement. Yangonde Zali Kosalake. Bon, ba papa, ba mela kama sanga na kimia nyonso libumo ya munene te, ongai, na bota mwako kangalisu libumo za lakate, otika la lingundu libumo munene. Tala ji oya dégraissement, soko meliango, libumo pla, neti kuto bota te. E bongo kote ba papa. Boye bake pona ba kolongondo bwa kundu bwa nzoto bwa yo. Ye bake bazali na kisi ya force. Heye! Mukolo nzoto, yangonde kisi ya solo solo, mukolo nzoto aye. Yangonde zali kosunga nzoto ya ba papa, pote libale zala elengi pe supu na nivo ya defuate. Ezali ko traite maladi lokola, impuissance sexuelle, ejaculation précoce, hémorroïde. Oza mobimba awa na mukolo nzoto, ezongisi nzoto na yo, mobimba na force ya defuate. Okanisi mama Mika suki wana, ten, che mama Mika, azo traite lisusu, stérilité, diabète, nerf sciatique, tension, myome, chauffement matrice, débouchement trompe, na hernie, mais yaba sorti nango nyonso. Po na bandeko oyo, bazali na ba santé, déséquilibré. Onga na bela ka beri beri, mwana na nganzo tezali pe na pete pete alembaka pamba pamba, yeba ke awe zali na ba boui, 100% bio, ton nganzo to na niveau ya nyama, pote nzo to na yo, Eza la pena kolongone ya solo. Soko meli poto poto oyo. Okoza la mubimba. Pe sante. Elengi. Neti kaka na lola. Kote cosmétique ebiso Mama Mika. Réparatrice ya lo poso. Po. Ni voisa ko traite banzoto ya basi pe mibali. Palado madame, palado messier. Bazali na ba produit lokola. Huile d'anana. Savon anti nduta. Anti tampon. Anti tache. Yangonde mubimba. Bazali pe lisusu. Na crème de beauté. Temetis. Ozongi pembe chéron et puis lisi ya nyama. Gommage, bazali ko salango kitoko joli. Pomade ya suki, plus huile. Pomade vimbovi, pona ba papa. Oyo bazalaka Dimitri kuna na bayendisa. Bango bako bonga kitoko po. Azonga penda mubimba, lokola mubali ya solo. Bazali pe na crème réparatrice, anti-vergeture. Pona basi nyonso, bazali na ba problème na banzoto. Eko sunga bango makasi. Kasi tuna ngai nini, ba kisyo nyonso ezali ko traite batu, ezali sans hydroquinone. Akutu, ata ya mukele kete ya hydroquinone, ezate pe ezala kate. Soki yo lingo benga, Maison Mika Cosmetic e Business Bio,
okoki kozwa bango na Avenue Pozo numéro A17 quartier Matonge na commune na Kalamu référence cabine ya courant topo koko benga bango na numéro ya téléphone oyo +243 89 98 27 674 tala bako sabinote maison mika cosmétique et business bio awa 100% bio pe sans hydroquinone na ba produit na bango nyonso c'est naturel. Parce que il a fait une émission avec la marraine. La marraine. Maman Kalunga. Les dossiers à Ndegonabiso Do la star, juste 5 jours après son mariage civil avec son épouse, Naya Koufi, Jérémy Lemba. Déjà, étant que humain, j'attends encore une nouvelle loi. C'est ça là qui on a dégainé. Bon, d'abord, au début, quand je l'ai suivi dans ma réseau, j'ai pensé que c'était fake news. Voilà. Je me suis dit, oh, maintenant tout le monde a foutu les balles là-haut il y a quelques jours. La femme est décédée aujourd'hui. Je pensais bien à fake news. Mais quand on a commencé à vérifier, à se renseigner, quand les et on a compris que c'est pratiquement toutes les pages sur les réseaux sociaux bah, communiquaient qui dossier on a. Alors ça nous a choqués. J'ai même appelé les artistes qui sont proches d'eux, la star. Voilà. Et ils m'ont confirmé que effectivement, sa femme est décédée. Alors, c'était terrible. Voilà. Monico Bala, mon frère, qu'on ne vous trompe pas, il a un budget. Il a un bon ébélé. Surtout au Congo. Ma balle est au Bali, dans ma kino. Yo. Au Congo, on a un bon ébélé. On a un Las Vegas. On a un États-Unis. On a un bon ébélé. Voilà. Mais ceux qui ont eu quand même volonté, on a honoré moi dans le bateau. Bisso, ma gêne, Lélo. Ce n'est pas donné à tout le monde. Okay. Alors d'abord, avant de continuer, nous présentons nos sincères condoléances à De La Star, à sa famille biologique et puis à la famille Maman Frida. Voilà. Cette dame qui est partie, c'est votre toi, réaction, Belen dans le réseau. Les gens disent que, oh, bah, mon aki, Aboukani Kingo, Aboukani Loboko, avec des blessures sur son corps. On a famille, là-bas, on est basé au Loboko. Famille à Maman Frida. Dans ma réseau. Je ne suis là pour défendre personne. Mais tant que vous avez dit que vous avez dit que vous blessure dans que où sont les images? Photos exactes, vidéos exactes. Mais vous avez relayé des informations partout. Vous avez blessé. Vous avez dit que 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 le lemon libanda ba meki ko réanimer tout ça na flatango. Bon, il y a eu beaucoup de questions. Mais moi j'ai parlé avec maman Kalunga. Mais j'avais mis toi tu as eu le temps de parler avec maman Kalunga. En réalité, qu'est-ce qui s'était passé? La femme était malade ou comment? La femme était en forme, elle est mardi ba na marraine na maman Kalunga. Voilà. Ba gina yé. Ba mon ba soleil qui peut bien. Voilà. Même maman Kalunga et son homme ba qui peut surpris que la femme ba ngem moi ça koufi. Donc ba zoé baté. Ezaki ndoki il paraît de la déplacer qui pour asseoir le commissionnaire à Luka Palais. Maintenant, les gens se demandent est-ce que Batouba, côté là qui moi si on a derrière le dos, il y a de la star, est-ce qu'il y a Zahina Barankini? Donc, les gens se posent des questions. Mon dossier, si la famille a quand même des moyens, ou bien si la famille est organisée, ils doivent quand même mener les enquêtes. Qu'est-ce qui s'est passé? Saisir la police criminelle. Voilà. Ça, l'investigation. Et puis, hôtel Wana, ils ont d'abord saisi. Ok, bien sûr, tu as coupé. Ce couple, on a depuis combien de temps? Histoire de salami, nini. Parce que na yebi que ce mot a coupé. Dans le public, le hôtel Wana. Tout le monde a dit, awa. Une femme mariée à Koufi dans mon bali, dans l'hôtel MP dans Bandal. Voilà. Les vidéos ont circulé. Lorsque Monique Bassali constate que Koufi, la police na Croix-Rouge. Voilà. Croix-Rouge, Bassali investigation, tout question dans la police, saisir gérant hôtel, mis ce corps aux yeux de tout le monde. Voilà. Tout le monde a une vidéo. Corps réseau Bima dans Bandal. Voilà. Mais il y a moi cette dollar et mon anité n'est ni le parti l'autre monde en vidéo t'es que corps yango maman Frida nani fala benga
tous ces gens-là. Ceux qui moutakou finantel, dans les publics. C'était les gérants de Mianga Samsalawana. Hôtel et Benga à la police. Voilà. Na Croix-Rouge. Baotika Corouan na Mbetu. Jusqu'à ce que l'État royal au sala investigation. Basala constat. Voilà, constat plutôt. Ba constaté, ba commis, dans cet état, moi si, ainsi de suite. Wab mobile naye, naye yu. Allez, ba ketika kor, na morgue. Mais oyo, soit disant, maman koufi na hôtel. Ton moni si ka korebi, man, zela korebi man ki, ata vide ya mou kien. Kisa na morgue ni na minito. Non, morgue, ya yi na ma banga, ba pi ba transférant, ou na morgue, morgue de la place. Ok. Mais, ton moni hôtel an gona bililite, ton moni ba gérant an gote, ton moni yo logo morote, ezaka ka ba loba ki, ba yoka ki, moi je pense que, je suggère ceci. Ba benga l'état, l'état ça la investigation. Voilà, police scientifique également. Ba kitawana, parce que, oa koufi azali humain, voilà. Azana famille, c'est une perte énorme pour sa famille. Pour la société congolaise également. Oui, et en plus ba sali 8 ans de fiançailles, okay. Qui chérit à 8 ans. Mais dans les balles, ça les 5 jours. Vous comprenez? C'est un choc. C'est une douleur inexplicable. Voilà. Et les gens disent que Dolanga, ce monde en a été. Nous étions dans Maman Kalunga. Dola, Kota Kiwana. Ouais, si, malgré tu l'avais refusé, ma caméra. Aboyi caméra. Mais Dola, y'a Kiwana, Monibiso, Aboyi caméra, tu respectes. Voilà. Et il est entré à la maison, à qui explique Maman Kalunga, déroulement ma cam. Vous comprenez? Donc, le soir, il y a où ça lui passe. Bon, tu es habité. Tout ça, le monde à la télévision, ma camoupe est zébili. Voilà. Famille pèse à l'ikuna, ma camoupe est zébili. C'est ce que j'allais dire. Mais entre-temps, les deux familles. Bazo Bunda. Bazo Bunda. Nangana Bondir Awa, bisous, tu récoltes. Après, maman, nous avons un balabala. Tu as un TV, tu m'as expliqué parce que la rumeur est une information. Bien que ce n'est pas une information fiable, mais c'est une information. Nanzela, na balabala, bazo loba, a comme approche, il y a maestro Fabregas. Un artiste musicien, Maestro Fabregas, qui est en train de préparer son concert au niveau du Casino de Paris. Parmi les bateaux qui sont Casino de Paris, il y a la star qui est en 4. Les musiciens congolais, ils traitent bango, bataba kiss. Ils traitent bango, bataba fétiche. Certains disent que l'équipe est moins sans pour autant ayeba. Cette hypothèse, est-ce que tu partages cette hypothèse ou comment? Bon, moi, je suis dit l'État a réglé le temps. Kindoki l'état est bien goûté. Na ba loi na biso ezate. Voilà. Donc ko ofinga mutu ndoki. Il n'y a pas moyen de prouver ça. Pas moyen de prouver. Donc ceux qui ba leki moi si. Mutu ebi kaka yimo nzambe. Voilà. Nous sommes ni de près ni de loin. Ozomona. Voilà. Nous sommes ni de près ni de loin. Tomoni kaka mama kufi mais liwa moko compliqué. Même le pasteur n'arrive plus à comprendre. Même mon bali est mort à salir permission. Kaka, maman Lek, il y a l'obaki, tout ça, il y a un qui m'a cambaboué. Il faut être expert à la matière, se saisir dans le dossier Oyo, balander jusqu'au bout. Pour tout le monde, la lumière n'est éclairage. Sinon, on va toutefois tâtonner, et puis le corps va durer très longtemps dans la morgue. Parce que yo... jour à sortir encore, il y a un bon milangi et j'ai la position. Voilà. Donc voilà. Il y a les salamis, il y a la salle, il y a la dépense, tout ça. Moi, c'est à Koufi et j'ai la position. Donc voilà, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Jérémy Luemba, pour cette explication. Je crois que ce dossier est tellement brillant, tellement suivi. Comment est-ce que mon bango est le cas? Je suis avec Jérémy Luemba. C'est l'une des personnes où il y a un peu proche du dossier. Ameki ko expliquer biso to comprendre dans les jours à venir nous allons amener des informations encore plus fraîches pour comprendre comment ce que marambo ezoleka Jérémy Luemba to moko bana suka émission na biso la culture congolaise sera à l'honneur le 31 août avec maestro Fabregas na Casino de Paris ainsi que le 21 septembre avec Héritier Watanabe na Paris toujours dans la scène musicale coup de force pour la musicienne parce que nous parlons beaucoup plus de Ferré, bien sûr. Héritier Watanabe Goga, Héritier Watanabe, Héritier Watanabe le 21 septembre sur la scène parisienne, la scène musicale à Paris. Je pense que Héritier a toutes ses chances. Voilà. Parce que Olympe Néo Irataka et Bakumbatawana, c'était de la mauvaise foi de certains Congolais. Voilà. Tout était bien programmé. Bien planifié,
L'artiste devait monter sur scène pour qu'il y ait le vrai concert. Mais la dernière minute, il y a eu des désordres. La préfecture a annulé le concert. Donc, c'était une partie remise. Mmh. Alors, l'occasion est donnée. Héritier Watanabe, au Pesango Koutou, Kotik l'ango vidité. Saisir l'occasion où il bétandoulé. Parce que le concert à Paris héritier, je crois, et qu'on relancer les sous-carrières. Ah, okay, voilà. Azana ba chef d'œuvre belé. Mm. Mon album le roi Miange mi démon. Azana ba rumba mystique. Voilà. Et ba nzembo mystique. Donc ba tout ming ba ko na musika. Voilà. Na ba téléphone, na ba télévision. Alors, ça serait l'occasion pour vous au présenter Miange mi démon. Ba gombe na gombe bete la bonne matoi. Signalez également que c'est pour la première fois qu'Héritier va prester à Paris. Justement, dans une salle mythique. Mythique. Mm. Donc, ils allaient l'occasion à ne pas rater. Okay. Héritier doit être concentré, ils allaient toujours serein, focus sur le travail. Voilà. Et puis, bah, Spiritas, vous êtes un peu distrait. C'est le moment de se procurer les billets. Les billets étaient déjà ouverts. Donc, dans l'Ibo, ça va être un cadeau à Soldat pour cette première production. Voilà. Ça va être un cadeau à Soldat. Les Spiritas, vous êtes la distraction. Créer des chaînes YouTube, vous allez appeler la tambour dans le terrain. Toi, accompagner Héritier Watanabe à livrer le concert, il est bien. Maestro Fabro, le maître, n'a pas si peu courage et belé. Voilà. Et ça sera aussi de la fête de la musique en Boca. Oui, donc après là-bas, okay, Zénith, donc on peut si peu courage et belé. Et il est bien. Et ça l'appelle bien. Merci à toi. Voilà. Merci à Mimi Ndoumé, Namouching là-bas. Salutations, non, directement. Les célèbres Dienzoun de Washington, il y a le Zombala de Madrid. Le conseiller Papa Philippe Kabouikouna Fribourg depuis Switzerland. C'est ma Maya si femme légitime, agence Maya si force Italia. Il y a Rodrigue Malong aux États-Unis. Le vieux Gérard Saddam à Manchester. Le vieux Justin Panzou, le grand Mouyombe à Londres. Il y a Justin Panzou à Londres. Je n'oublierai jamais toutes les grandes dames qui nous soutiennent. Et aussi, clin d'œil spécial à celui qu'on appelle les Moutou Fumuzing, Jean-Claude, chef coutumier à Paris, maître Siza Soukama, puissance ami Kili. Donc, vous avez belé, Mimi Ndoumé, depuis mon chien là-bas. En Allemagne. En Allemagne, donc très puissante, une femme généreuse, une femme de cœur, maman sociale, Mimi Ndoumé. Salarandé, tout solo là. Les célèbres Dienzoun de Washington, toujours et là, toujours, merci beaucoup. Bandego Toubotal Arabisso, abonnez-vous, commentez, partagez les liens pour nous soutenir. On est ensemble pour de vrais Tariq. Je crois que c'était un grand plaisir Merci. De partager encore une fois ces plateaux avec vous. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.